Allez, cours! Arrête! Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais je vous recommande de vous mettre dans le noir, puisqu'aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur Poppy Playtime. Je ne connais pas ce jeu. Mettez-vous vraiment dans le noir, je compte sur vous. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Et on va sélectionner Chapter 1. J'aime bien Poppy Playtime. En tant que ancien employé de la Playtime Corporation, on retourne finalement dans l'usine plusieurs années après que tout le monde ait disparu. Alors pourquoi on y retourne si tout le monde a disparu? Il faut être complètement con. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Super, donc c'est... Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one. Je déteste ça. Hi, my name is Poppy. Oh, 6 euros. Just like you. Ouais. Playtime. Ouais. If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. Tout le monde pense que le staff a disparu il y a 10 ans. Nous sommes encore là. Trouve la fleur. Bienvenue, nous sommes dans l'usine. Je ne sais pas si on peut interagir avec tout ce qu'on veut, mais en tout cas, nous sommes rentrés dans cette usine. Et ça, c'est cool. Oh non. Oh non. Ça y est, je suis déjà tétanisé, les gars, vous avez entendu à droite? J'ai récupéré une cassette, je peux peut-être la mettre dedans? Non. Rouge, bleu, jaune. Rose. Bleu, mauve, bleu, jaune. Vert. Il faut regarder au sol, c'est sûr. La réponse est au sol, c'est sûr. Ou alors, j'ai pas le choix, il faut que j'aille là-bas. Mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Pour des raisons, somme toute évidentes. On peut pas aller là. Bah ouais, mais c'est évident, il faut aller là-bas. Mais tu crois vraiment que je vais aller là-bas, moi? Oh putain, c'est un train qui tourne depuis tout à l'heure. Ok. Attends, on peut fermer la porte ou pas? Super. Je sais pas si c'est le meilleur move. On peut pas allumer une lumière. Mec, il va nous arriver une dinguerie. On va rien comprendre, frérot. Bon, mais y'a rien à faire ici. Ce train, il sert forcément à quelque chose. C'est le code. C'est le code, putain. Regardez. Vert, rose, jaune, rouge. Ou alors c'est l'inverse. Vert, rose, jaune, rouge. Vert, rose, jaune, rouge. Je me sens tellement frais, mec. Bonjour. Un ordi, une cassette. Ok, j'ai récupéré une deuxième cassette. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Il est en train de nous expliquer comment ça fonctionne ce truc là. Le début des problèmes. Le début des problèmes. Alors je peux faire des trucs sympas comme on a vu. Genre. Je peux prendre des objets. D'accord. Là je mets ma main là. Je suis un boss. Quelle erreur. Quelle erreur. Mais putain. Mais... Eh, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup moins peur quand même de ce genre de jeu. Hein. Je...
Je suis terrorisé, frérot. Oh, je suis terrorisé, mon pote. Ok, il me drop une clé. Je prends la clé. Merci. J'ai une clé. C'est cool. Je préfère fermer, hein. Oh, ta mère, la pute! Oh putain, je suis un gogol. Je suis un vrai gogol. Je viens de comprendre. Et là. On va revenir là et tu vas voir que le truc va plus être là. Mais bien sûr. Oh, tellement prévisible ce jeu. Tellement prévisible ce jeu de merde! Putain! Évidemment qu'il est plus là! Mais c'était sûr! C'est complètement con! Je le savais! J'ai entendu des bruits de pas. Mais c'était... C'était mes bruits de pas à moi. Make a friend! Oh non, ne pas entrer. Ok. Mais quelle idée! Quelle idée de venir! Allez, cours! Arrête! Purée! Bail 2. Qu'est-ce que c'est que ce bail? Ouais, bah regarde, je vais mettre la cassette, j'imagine. Même pas. Bonjour! Hé! Hein? Il y a un truc que je comprends pas. Depuis tout à l'heure, il veut que je mette une main rouge, mais j'ai pas de main rouge, frérot. J'ai que une main bleue. À moins que j'ai raté quelque chose. Le code, je sais plus c'est quoi. Dans tous les cas, il me manque quelque chose. Bah. Merde. Oh merde, ça. Donc là, j'en ai un deuxième à prendre. Je sais pas où sont les autres. Je veux pas descendre, putain. Je vais pas descendre, mon pote, là. C'est l'atelier et tout. On va récupérer ça. On a le verre. Est-ce que je peux ouvrir? Je suis un boss. Donc là... Plus que le jaune et le bleu. La deuxième main. Nice. Elle est plus petite, la main droite. Oh, j'aime pas du tout. On y va ? On y va, hein. Allez. Oh mais si. Regardez-moi ce génie. Je suis un génie. Oh, j'aime pas vraiment... Je peux être maître de mon corps ou pas?
Ok. Ok. Oh. J'aime bien. Make a friend. J'essaye de comprendre hein, ce qu'ils attendent de moi là. Donc pour ce faire, rien de mieux que monter en hauteur. Une cassette, parfait. J'ai pas de cassette, parfait. Il y a un trou ici, c'est pas grave, regarde bien. Hop là. Est-ce que je suis pas un boss? Regarde bien. Ah, je peux pas aller plus loin. C'est bien dommage, je sais. Ah. Ok. C'était pas le meilleur plan à faire. Notre fondateur, Elliot, était un visionnaire. Il a créé une machine pour se faire un ami. La plus créative, impressionnante et avancée. Je peux pas appuyer parce qu'il faut du courant. Et pour du courant, il faut faire le truc que j'essaie de faire là-haut. Donc, c'est cohérent. Et là, est-ce qu'on peut peut-être aller là voir? Non. Ok. Ce sera la suite là. Là ce sera la suite. Ok, donc là il faut qu'on monte les escaliers. Je suis stressé parce que je sais que maintenant il nous poursuit pas le machin. Mais sauf que ça va être au moment où je vais m'y attendre le moins qui va apparaître. Et ça c'est terrible. J'avais pas vu ça. Mais ouais mon pote. Regardez bien. Je passe par là. Je passe par là. Et je vais là. Et mec. Je suis un génie mec. Ah, ça fait du bien au cerveau de réussir des puzzles. Et là je vais pouvoir appuyer sur le bouton en bas. J'appuie sur le bouton. Power off. Non, power off. Wesh. Ça va pas la tête. Eh ben tout simplement. Quel débile. Mais quel débile ma parole. Mais voilà, je dois attendre et ça devrait ressortir par là, je pense. C'est où mes jouets? Ah là. Stylé ça. Très 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 stylé. Ah c'est tout un processus hein. Ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie alors que ça n'a pas de rapport puisque c'est pas du chocolat. Mais c'est à peu près le même délire. C'est stylé ça en vrai hein. Ça en vrai c'est stylé. Et voilà, nous avons un petit marsupilami. Viens voir bébé. Voilà, je l'ai pris. Il m'a fait peur. Et je le mets là. Je suis un boss. Bon, il m'a... En vrai, et ça vous le savez pas, mais il m'a fallu 30 minutes pour y arriver. Hein. Mais bon, au moins j'ai trouvé tout seul. Et ça, c'est pas mal. Par contre... D'accord. Bah mec Mais frère par contre ah ouais. En vrai je suis content de m'être fait choper pour voir parce que mec, même si je savais que j'étais cuit, le moment où ça scream là, c'est un peu indécent quand même hein. Faudrait que j'aille peut-être là-dedans. Allez on y retourne. C'est reparti.